Et coucou tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Arc Scorchers. Et aujourd'hui, nous allons nous attaquer à beaucoup plus gros. Et oui, parce qu'aujourd'hui, c'est l'épisode où je tame mon premier T-Rex. Vous allez voir, le T-Rex que j'ai repéré est 140 et il est assez atypique. On va dire qu'il est tout ce que j'aime et tout ce que j'aime pas. Vous allez voir. Aujourd'hui, je n'ai rien trop à vous montrer dans ma base parce que j'ai fait vraiment que du farm. J'ai pas fait de construction. Et lui, regardez. Et oui, il saigne un petit peu, c'est parce que je lui ai monté la vie. Ne vous en faites pas. Ah oui, et aussi, je voulais vous montrer... Si, j'avais fait quand même quelque chose. C'est que, du coup, j'avais prévu de faire un petit coin breeding juste ici. Mais va falloir que je le retravaille parce qu'il pourra pas être plus grand que ça étant donné que le sol est pas plat. Donc, il faudrait que je fasse ça sur pilotis. Aussi, je prévois de faire une petite écurie. Donc, en fait, tout ça, juste ça, ce petit coin box, je vais le raser. Et je vais le repousser tout là-bas. Et donc, ici, ça va être une écurie. Et après, là, ça va être normalement un champ. Après, on verra comment je décore ça. Et coucou! Bah... Hola, oui hola! Ah, coucou, Patch! Coucou tout le monde, c'est la hola! Comment ça va? Comment ça va? Très bien, et toi? Bah, ça va bien. Qu'est-ce qui t'amène ici, dis donc? Un petit cadeau. Ah ouais? Ouais, t'as vu, encore il est beau, Godzilla, hein? Ouais, il est très, il est beau, très hein beau. Ah, tu lui as monté des points de vie? Ouais, ouais, c'est pour ça, il saigne un petit peu. Ah, très bien. Il a déjà bien, tout mangé bien. Ouais, il a ah déjà bah oui, tout oui mangé. Il va falloir que je referme de la viande. Petit glouton. Ah bah carrément. Ah, il est bien, il fait trempette ici, hein. Bah oui, il vit sa meilleure vie, hein. Ah, il bouge pas de cet endroit, hein. Ah bah non, 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 pas une seule seconde, là, 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 hein. Yes. Eh, hey, j'ai un petit cadeau pour toi. Oui. Hop, regarde. Je suis en train de faire des petites productions maison, j'ai envie de te dire. Il est mignon, ton gerbois, hein. T'es pas du tout brillant, pas du tout, pas du tout. Bah oui, il est mignon, t'as vu, avec son petit chapeau. Avec son petit chapeau, regarde. Oh, bah attends, on le voit pas très bien. Oh bah, il est rose. Ouais, 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 attends, on va le faire reculer un peu. Bah non, mais le fouet pas. Recule, canapé. Mais arrête, non, mais ça non va pas la tête. Attends, t'inquiète. Le pauvre. Hop. Viens ici. Mais non, mais là, on le voit pas. Bah oui, viens mais par tu ici lui dis de te suivre, il va te suivre, regarde. Voilà. Voilà, regarde comme elle est belle, une petite femelle. Waouh. Voilà. C'est toi qui as sorti ça, elle est incroyable. Eh oui. Eh oui, oui. Waouh. Alors, en fait, elle a une jumelle. Il y a une jumelle que je garde pour le breeding. Et celle-là que je te donne tout de suite pour faire de la compagnie à Godzilla. Et toi, t'arrives toujours à sortir du rose en début d'aventure, c'est incroyable. Ouais, ouais, ouais. Alors en plus, elle a 43 dans la vie, 40 dans le poids et 50 dans l'attaque. Ah ouais? Ouais, donc elle est déjà pas mal, hein. Ah oui. Oui, 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 oui. Ah oh bah, t'as fait du voilà bon travail, hein, franchement. Merci. Bon, elle a pris 2 points dans l'oxygène. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Je garde la deuxième femelle pour continuer mon petit breeding. Mais en attendant, bah, t'as une petite baby hein, pour avoir oh, un petit peu de compagnie. Oh, trop bien. C'est une femelle. Oh, trop bien. Pour Godzilla, exactement. Il a une petite femme, c'est bon. Voilà. Bon, on va la laisser grandir un petit peu quand même. Hein. Oui. Mais ouais. Sur le trajet, j'ai aperçu là-haut sur les montagnes un T-Rex. Je crois qu'il est 140 avec un ventre rose. Oui, justement, c'est lui que je vais aller tamer. Ok, eh bah écoute, c'est bonne prévu chance, aujourd'hui. Hein. Il est juste à côté, ouais. Ouais, ouais. Ouais, bah nickel, ça fera comme ça, on pourra faire de la petite repro aussi avec mon Rex. T'as vu, il est tout ce que j'aime et tout ce que j'aime pas. Hein. Ouais, il est rose en dessous, ça c'est stylé, et puis vert sur le dessus, quoi. Tu le vois d'ici? Non, 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 mais j'essaye okay de le retrouver, mais en fait, il était juste là-bas, là, il est vraiment pas loin. Ouais, j'ai intérêt à me dépêcher avant qu'il vienne me dégommer parce que ouais, j'ai aucune clôture, donc. Ouais, ouais, vaut mieux le coucher rapidement. Hein. Mais par contre, le truc, ce qui est cool, c'est qu'avec son ventre rose et le bleu de mon T-Rex, on peut faire des jolis T-Rex. Mais parce que toi, ton T-Rex, c'est un mâle? C'est un... Non, c'est une femelle. C'est une femelle, ok. Ouais. Oh bah nickel, alors que le mien, c'est un mâle, du coup. Une femelle avec une bonne stat dans la vie. Très écoute, bien. Je te retiens pas plus longtemps, parce que sinon, il va venir foutre un bordel dans le coin. Ouais, hein. Ouais, ouais, ça risque de pas être cool. Bon, prends soin de cette petite, attention, elle a besoin de manger. Ouais, ouais, et je vais son imprint à faire dans pas longtemps, mais voilà, je pense, Cryola, le temps que tu fais ton Rex. Hein. Ouais, je pense. Je voilà pense. Comme ça, elle est bien protégée. Mais en bon, tout cas, ma merci chère Lola beaucoup, Patch. Eh bien, je t'en prie, tu c'est me un régales plaisir. Oh bah oui, on dit c'est le genre de faire plaisir, hein, tu connais. Hein. Bon, allez, bonne chance pour ton timing. Merci. Salut.
Salut. À toutes. T'as vu Godzilla, Patch, il est trop gentil avec toi. T'as vu, il sait que t'es tout seul et que t'as pas d'autres copines Fazola, donc du coup il t'en a ramené une. C'est juste trop gentil comme attention, et puis comme tu bouges pas beaucoup aussi, t'es toujours ici. Ouais, c'est un peu compliqué, mais c'est beau, maintenant tu n'es plus seule. En tout cas, voilà, petit bébé Fazola, il va falloir lui trouver un nom à ce petit bébé. C'est une femelle. Et du coup, je t'ai rempli la mangeoire, donc il n'y a pas de problème. Je reviens pour faire ton imprint. Et toi, Godzilla, je compte sur toi pour la surveiller, hein, parce que on sait jamais s'il y a des raptors qui arrivent. Mais normalement, ça n'arrive pas, vous inquiétez pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça te soutient énormément, donc merci à tous ceux qui le font. Ok, donc là, je suis vraiment juste à côté de chez moi et il y a le T-Rex. Vous voyez, ma maison est là-bas et là, il y a le T-Rex. Donc c'est parti, on y va. On va aller le tamer. Il faut pas qu'il aille par chez moi, donc on va essayer de l'aggro vers moi. Je sais pas s'il peut monter, normalement oui. Mais bon, on sait jamais. On reste là pour le moment. Allez, allez. Alors comme vous pouvez le constater, il a le rose sur le ventre. Il a du vert sur le dos. Vraiment la couleur que j'adore par-dessus tout, plus la couleur que je n'aime pas vraiment. Donc ça, c'est ça c'est qui tout double. Après, forcément, je ferai tout pour enlever la couleur verte. Ça, c'est clair. Et garder le rose. Et en plus, avec le T-Rex de Patch qui est tout bleu, franchement, il y a moyen de faire quelque chose d'hyper, hyper cool. Mais en tout cas, pour tamer les T-Rex sur Scorch, c'est assez cool et assez simple apparemment. Je sais pas si là je vais l'avoir. Hein. Non, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il a un bébé en plus, regardez. Ah, il est en train de s'attaquer à un kangourou. Ok, ok. Bon, il a pas tout décimé tout autour. Hein. Ah là, apparemment, ça n'est pas fini pour lui. Ok, là, il arrive. Vas-y, viens et tu vas descendre juste là. Ah ouais, et son bébé, il est fuchsia, j'ai l'impression. Bon, après, je préfère le violet que le rose. Après aussi, la couleur sable, c'est très très joli. Il y a plein d'autres couleurs qui sont vraiment cool. Ah, mais regardez comment il me regarde. Non, franchement, sur Scorch, il y a tellement de falaises qu'il n'y a pas de problème pour tamer. Taming sauvage. J'ai pas fait de piège pour cette fois-ci. Oh là, il part trop loin, là. Qu'est-ce qu'il fait? Et en plus, on pourra prendre le petit bébé. Il est déjà en torpeur? Ah ouais, je l'ai déjà presque tamé. J'ai l'impression que ça a été beaucoup plus rapide que d'habitude. Ah, et j'entends des raptors. Ah, ça, c'est pas cool. En plus, là, il s'en va de chez moi. Là, il est plus trop près de chez moi, donc c'est pas vraiment cool. Ah là là. Oula. Oulala, là là, alors tu vas te calmer. Tu vas te calmer. Toi, je vais te supprimer. Ah bah c'est cool, il revient en plus. Vas-y, viens par là. Je sais pas où est-ce que tu vas, mais c'est pas par ici qu'il faut aller. Allez. Alors non, pas avec les boules là, je pense que j'en ferai rien. Allez, on continue. Il nous attaquera pas. Allez, let's go. Il est presque couché. Oh! Et voilà, il est couché trop, trop bien. Et bah, let's go. Voilà, ça a été quand même très rapide. Plus rapide que d'habitude, j'ai l'impression. Le petit bébé est là, donc il va pas falloir que je le perde. Ça se bat ici. Oui, effectivement, ça se bat. Alors, pas mon novice. Pas comme si que j'étais là justement pour mon novice. Oh là 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 là, ce bazar. Ok, bah ça va. Mon petit bébé Fazola est encore en vie. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Ok. Alors du coup, moi, je voulais voir si mon petit novice avait grandi. Parce que moi, je voulais le nourrir à la viande de mouton. Oh là là, puis il est beau en plus, il est tout blanc. Mais malheureusement, je vais devoir le faire. C'est pas grave. De toute manière, les moutons, y en a d'autres. Hein. On pourra toujours en trouver. Je suis désolée, petit mouton. Allez, let's go. On y va. Comme ça, on aura notre premier T-Rex bien tamé. Forcément, je peux pas faire de croquettes parce que j'ai pas encore de gros œufs.
Il nous faut un gros œuf. Et les gros œufs, c'est les œufs de T-Rex. C'est les œufs de Terry. Ah, mais j'ai pas eu d'âme. J'ai pas eu son âme. Ok, bah c'est pas grave. À mon avis, c'est parce qu'il avait pas fini de grandir. Et du coup, bah voilà. Il n'y a pas eu d'âme. C'est pas grave. Mais ça aurait été cool quand même de donner l'âme à Patch pour que du coup, il le fasse réapparaître, ressusciter. Où est mon T-Rex? Ah, il est là. Bah, avec le rose, on le voit de loin. Donc ça, c'est cool. Ok, c'est bon. Let's go. On lui met tout ce qu'on peut lui mettre. Oh là 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 là. Ok, alors là, je me suis mis... Alors, pas... Non, pas le Rex. Venez ici. Ok, j'espère que le Rex a pas eu des coups. Oh là 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 là. Ok. Là, c'est un petit peu compliqué ce qui se passe. On va aller voir. Parce que là, j'ai très très peur que le Rex ait pris un coup... Sans faire exprès, il est à 93%. Non, à mon avis, il a pas pris de coups. Ou alors, il en a peut-être pris un. Je ne sais pas du tout. Après, là, je le tame à la viande de mouton et à la prime. Donc, c'est normal s'il perd de l'efficacité. Là, je ne sais absolument pas. Mais bon, franchement, ça le fait de le tamer à 93%. C'est pas très grave. De toute manière, sans croquettes, j'aurais pas du tout 100% d'efficacité d'apprivoisement, donc ce n'est pas grave. C'est drôle parce qu'à chaque fois je tame des T-Rex roses, mais vraiment c'est le pur hasard à chaque fois. Je vois un T-Rex rose, je suis obligée de le tamer en fait. C'est ça en fait qui m'appelle au taming de Rex, c'est les couleurs. Et quand je vois des belles couleurs, surtout le rose et violet, eh ben je cours pour aller le tamer. Bon là en l'occurrence je ne savais pas trop si je devais le tamer, mais il est quand même level 140, tant pis pour le vert. Ça sera un petit défi justement de le faire repro avec le T-Rex de Patch pour le mettre en mode bleu-rose, ça pourrait être super beau. Et au moins, grâce à lui, je pourrais faire des croquettes exceptionnelles parce que du coup, je pourrais avoir ses œufs. Et ça, c'est trop bien. Et voilà, il est tamé. Je suis juste trop trop contente. Et du coup, le petit bébé aussi également. Très très bien tout ça. C'est trop cool d'avoir le premier T-Rex de l'aventure. C'est vraiment génial. Aïe aïe aïe, ça change tout à chaque fois. Ok, alors attends, parce que du coup, toi, mon petit, ça serait bien que je te cryo également. Hein. On va pas faire les fous. Allez, let's go, c'est parti, on rentre. Aïe aïe aïe. Bon, il est vert, hein. Il est vert, j'en suis consciente. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, avec Patch, on va faire ce qu'il faut. On va faire la petite reproduction. Je vais aller chez lui, du coup, je vais lui ramener ce petit T-Rex. Ah là là, rien de très oufissime en termes de stats. De toute manière, c'est quand même assez rare d'avoir des bonnes stats sur le premier T-Rex qu'on tame. Donc du coup, c'est pas grave, j'entamerai d'autres. Mais au moins, j'ai la petite couleur qui est vraiment trop belle. Ok, du coup, les amis, c'est bon, je suis chez Patch Curtis. C'est vraiment magnifique chez lui, je me lasserai jamais. Bon, c'est pour ça que je m'invite un petit peu. Oh, Patch! Ouais! Coucou! Et où? Je suis là! Ah, Lola, ça va? Ça va et toi? Ouais, attends, je lance juste un truc! Hop! Qu'est-ce que tu fais? Ouais, t'inquiète, je suis en train de préparer mon plan, tu sais, pour la faille à Wyverne! Ah, ok! Donc c'est pour bientôt alors? Munitions, tout fabriqué! Voilà! Ouais, t'inquiète, c'est pour bientôt, j'espère que t'es prête, hein! Ah, bah ouais, je pense, j'ai besoin d'amener quoi? Hey. Tu me diras, hein? Tu me feras une liste? Du courage! Ah, ok, ouais. Bon, ça va, j'en ai en réserve! Ouais, et de la folie! Ça devrait le faire! Mais tiens-toi okay. Prête, ma petite Lola, ça va être l'aventure! Eh bah, j'ai hâte! Et du coup. Ouais, t'inquiète, tu me fais confiance! Oui, oh là là, il y a encore une petite tempête qui s'annonce là! Eh ouais, oh bah tu pourrais rester pour la soirée, hein. Tu peux, ou même l'après-midi, hein. Tu peux te poser tranquillou, il y a une piscine, il y a de quoi manger. Ah bah oui. Bon là, moi je suis un peu dans le bricolage, mais t'inquiète. Bah là tu vas faire une petite pause, je vais te montrer mon Rex que j'ai tamé. Oh, bah yes, bah si on y voit quelque chose. Ouais, on va attendre un petit peu, mais... Il est où? Bah il est pas sorti encore. Ah d'accord. Je vais le mettre à côté de Mirage, mais on va attendre un petit peu, hein. Tu me sers à boire un petit truc, un petit coca? Oh bah bien sûr, tu veux un petit... Ouais, un petit... Ah non, le coca c'est pas bon pour la santé, hein. Je peux te faire un petit thé Lola si tu veux. Ah, ok, bon bah va pour un thé. Alors attends, un Patch, je me permets. Ouais. Parce que du coup, j'ai ramené le petit... Ouais, mais pourquoi t'as ramené la petite... Bah parce que c'est dans 15 minutes sur Inprint, donc comme je savais que je devais passer chez toi.
Ok, ça marche. En plus, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour l'imprint. Mais moi, j'ai eu beaucoup de petites balades ou de petits câlins. Ou... Le pire que j'ai eu, c'est de la viande de poisson cuite. Donc, franchement. Allez, montre-nous ces petits T-Rex. Alors, oui, du coup, tu vas voir, les stats sont pas folles, malheureusement. Ouais. Je sais pas les stats du tien, mais. Moi, il a 47 dans la vie. Oui et non, quoi. Alors, c'est bizarre parce que. Je sais pas s'il est beau ou s'il est moche. Oui, mais... c'est ça, en fait. Attends, on va le mettre au soleil. On sait pas trop. En tout cas, il plaît à Mirage. Hein. Voyons. En fait, il a un beau vert lézard sur le dos. Petit Mirage. Ouais, mais faudrait enlever le vert, justement. Mais c'est pas si beau que ça, parce qu'il a du rose en dessous. Mais le rose, c'est stylé, par contre. Bah, c'est pas très gentil, ça. Ah oui, t'as un 40 dans la bouffe. Les deux couleurs ne se marient pas, quoi. Oui, c'est clair. Voilà. Par contre, le rose et le bleu ciel, ça se marie bien. Ah, mais oui, c'est pour mal, ça. C'est pour ça. Et regarde aussi... J'ai son petit bébé. Bon, les stats, forcément, il n'y aura pas, mais, mais attends, on a mais du bébé, rouge. Pour la couleur, moi, je serais toi, je partirais plutôt sur la mer. Et puis, j'essaierais de récupérer le rose, tout simplement. Et puis, le mettre avec du bleu là-bas, comme Mirage. Ça serait super joli. Bah ouais, carrément. Du coup, je t'emprunte Mirage ou je le fais là, peut-être? Fais comme chez toi. Hein. Fais comme chez toi. Ok, oh, ok. Vache, il fait chaud. Il y a des gourdes, il y a de l'eau, il y a tout. Hein. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Merci. Il y a la piscine. Hein. Bah, il y a l'appel. Moi, je retourne faire. T'inquiète. Ouais, moi je retourne faire des munitions, si tu me cherches, je suis à l'atelier. Ok, ça marche. Salut. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir comme petit Rex? Ah, bah il n'y a plus de rose. Ok, donc là, il n'y a effectivement que du vert. Et en plus, il n'a même pas pris la bonne stat de Mirage. On vous le rappelle, c'est 47 vies quand même. Donc non, ça c'est un non. Et ça c'est trop cool parce qu'avec la Spyglass, on peut voir ce qui nous attend dans l'œuf. Donc ça c'est plutôt cool. Alors les amis, j'ai fait naître quelques petits T-Rex. Et franchement, ils sont quand même plutôt pas mal. Donc regardez, celui-ci, il est bleu et en dessous, il est rose. Il est vraiment super beau. Il n'a pas le 47 vie ou quoi, mais au moins, il a les couleurs. Et ça, c'est vraiment trop bien. Ici, bah, il a juste la crête verte. Et sinon, il est bleu et blanc, enfin gris. Donc vraiment, il est super. Encore une fois, il n'a pas non plus la stat de vie. Ici... Bah voilà quoi, il y a juste le bleu qui s'est rajouté sur le dessus. Donc ça, pas très ouf. Mais par contre, eux, ils ont le 47 vie. Voilà, ils ont le 47 vie. Par contre, encore une fois, il n'y a pas de rose. Donc c'est un petit peu décevant. Mais c'est pas grave, je vais continuer à faire de la repro. Et j'aimerais bien à terme sortir un Rex comme celui-ci. Ou soit le rose sur le dos et le bleu sur le ventre. Mais avec au moins le 47 vie, ça serait vraiment trop trop bien. Du coup, j'ai décidé de garder que celui-ci. Je le trouve vraiment très très beau. Et je le ferai reproduire avec sa mère Mirage pour qu'elle ait les stats. Mais il faudrait quand même qu'elle garde le rose du ventre. Coucou Patch. Coucou. Alors, t'as réussi? Bah ouais, moi, elle a juste pas la stat. Mais va falloir que je la fasse se reproduire avec ses parents. Ouais, après l'objectif c'était la couleur. Ouais. Voilà, oui, bah mais bon, joli. Faut quand même avoir les bonnes stats. C'est ouais. Bien. Après, il y a que la stat de vie de toute façon, hein. Donc ouais. Oui, pour le moment. Trop avec sa mère et pour puis le voilà. Moment. Voilà, exactement. Ah bah super. Ah, c'était sûr que ça allait faire beau. Hein. Et ça serait bien aussi de faire l'inverse, de mettre le rose sur le dos et le bleu sur le ventre. Exactement. Ouais, ouais, ça pourrait être sympa. Bah bon, si tu continues à combiner comme ça, à tout moment, tu vas sortir des dingueries. Bah ouais, ça serait bien. Bon. Bah très bien, t'as vu mes petits bébés face au là? Ouais, ouais, ils sont incroyables, mal, hein. Ils et sont regarde le petit... trop beaux. Eh ouais, regarde le petit doidi que tu m'as offert. Ah, il est là. Bah il est là. Ouais, j'ai déjà monté des points. Et faut lui donner un petit nom à celui-là, hein. Bah ouais, ouais, on va l'appeler Boulette. Boulette, voilà. T'as pas déjà appelé un doidicurus Boulette? Bah en fait, j'appelle tous mes doidicurus Boulette. Ah ouais, d'accord. Ouais, parce qu'en fait, ils se mettent en boule. Ouais, bah voilà. Ouais, le doidicurus, quoi. Voilà. Boulette. Boulette, c'est une femelle. Et bah très bien. Ah, j'ai un œuf qui a pondu, là. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a, Lola? Tu vas me porter chance, d'accord? Ok, je vais essayer. Oui. Alors ça, déjà, c'est bon, ça. En plus, on a stat d'énergie, 50 en attaque, 43 vie, 40 en poids. Ah, bah voilà. Et en plus, on a bien le vert fluo au-dessus de l'œil. Donc ça, c'est des parfaits, du coup. Ouais. Mais tu te souviens, Lagoon, en gros, il avait, lui, il était pas parfait, mais il avait la petite muta au-dessus de l'œil, comme ça, le vert fluo. Ok, bah je garde ces deux œufs-là. Merci Lola, tu m'as porté bonheur. Eh bah de rien, c'était avec plaisir. Eh bah impeccable. Bon, allez, je retourne faire des munitions. Et Lola, t'es sûr, je compte sur toi, hein, tu viens avec moi. Hein. Ah oui, je viens avec toi, t'inquiète pas.
Faut juste que tu me fasses une liste des équipements à prendre. Hein. Ouais, prends juste ta tenue du désert et puis un fusil à pompe avec plein de balles. Tu veux pas de farm, rien du tout, que je t'aide rien non, pour rien. T'inquiète, je suis en avance. Je suis en avance et j'ai looté plein de trucs. En parlant de loot, je serai toi, j'irai récupérer un petit loot rouge qu'il y a là-bas avant qu'il disparaisse. Ok, bah vas-y, on va voir. Allez, je file. Ok, à plus Patch. Mais qu'est-ce qu'il est gentil, ce Patch Curtis, il est incroyable. Alors, du coup, on regarde dedans. Ah, ok, un lance-flamme, du soufre. Ouais, des trucs anti-émeute, c'est pas ouf. Bon, je prends tout. Bon, je ferai mon petit tri, du coup, à la maison. En tout cas, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!